Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour un swap version box donc que j'ai fait avec Letty Dream, donc Letty. Donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Donc on a décidé de faire un swap box sur le thème wishlist. Donc j'ai reçu son colis, donc je vais vous montrer. Donc j'ai reçu son colis comme ceci. Ceci dans une boîte unique. Donc je vais ouvrir ça. Donc en premier temps je trouve je crois qu'elle devait me ramener quelque chose du Corfou. Donc elle m'a envoyé des baklavas, donc à l'amande. Donc je connais pas, donc je vais goûter et puis je vous en dirai des nouvelles. Ensuite donc ensuite, je trouve une jolie boîte comme ceci que je vais pouvoir utiliser dans les tons gris. Elle marquait l'or, des chaussures, des étoiles, une robe. Ensuite, je trouve un headband avec une tresse marron, comme ceci. Ensuite, je trouve un headband rose avec des petits strass là, comme ceci. Donc, super. Donc on va découvrir la box. Du coup, une petite lettre sur la wishlist. Donc c'est une carte avec marqué je pense à toi. Donc je vais la garder pour moi. Merci Letty. Je vais garder ton petit mot parce que j'adore la petite carte. Ensuite, je trouve un papier avec Village Candle. Je pense que c'est pour parler des bougies. Et c'est en anglais. Ouais, c'est ça. Ensuite, je trouve un échantillon Cédra Environ. Donc, c'est Colonne de l'atelier Colonne. Comme si c'est un échantillon. Donc, je testerai. Ensuite. Du coup, on n'avait pas fait de menu, donc je vais prendre comme ça me vient. Donc le premier, c'est de Village Candle, des petits fondants. Donc c'est célébration, donc avec une bouteille de champagne. Donc, je vais sentir voir ce que ça sent. Ça sent super bon. J'adore. Merci Letty déjà pour ça. Ensuite, je trouve un gel douche Tahiti au Monoi. Donc voilà, c'était dans ma wishlist. Donc elle a pris dans ma wishlist. Donc je vais le sentir. Ça, c'est pas le Monoi trop agressif, c'est plus la fleur. Donc super, merci Letty. Ensuite, je trouve de Garnier Ultra Doux un shampoing à la nacre naturelle et aux extraits de cerise. Comme ceci, donc c'est pour cheveux ternes sans éclat. Donc super. Il sent super bon. Donc pour mes cheveux, c'est nickel. Merci Letty. Ensuite, je découvre de l'Ovea Blue Lagoon un gel douche. Délassant, ils mettent succombé à la volupté d'un cocktail délassant. Comme ceci. Je vais sentir. Super bon. Merci Letty. Bon, je vais pas dire merci, je vous dirai merci à la fin. Hein. Ensuite, je trouve de Yankee Candle la petite sonde donc sable rose. Donc, ils sont super bons. Ensuite, toujours de Yankee Candle, je trouve la Pink Lagoon Fruit, comme ceci. Qui sont super bons aussi. Ensuite, je trouve le parfum Les Petits Plaisirs, donc c'est Violette Macaron. Je vais le sentir. Je l'envoie en roll-on, donc c'est super, il va rejoindre ma collection. Ensuite, je découvre
un échantillon de Giorgio Armani, donc le si. C'est parfait pour mettre dans le sac, des petits échantillons comme ça pour tester, c'est parfait. Ensuite, je trouve de Benefit, donc le taille crayon. Donc, je vais vous montrer. Comme ceci. Et l'embout là, il est comment dire, il est comment dire ça, il est adaptable. Donc je sais plus comment on fait, je sais plus du tout. Donc c'est adaptable aussi. Voilà. Ensuite, j'y trouve le mascara Merry Christmas. Donc c'était le Too Faced, donc c'était pour Noël. Donc j'adore ce mascara là, donc c'est super, je l'avais avec Loli aussi. Voilà. Ensuite j'y trouve une brume de Maxi Andy, donc la Flower. Comme ceci. On va sentir quand même. Et ça sent super bon. Hop, je me suis mis dessus. Ça sent super bon. Donc super. Ensuite, j'y trouve de Sephora, donc l'huile en gel démaquillant pour les lèvres. Ok, comme ceci. Voilà. Voilà, je l'avais déjà eu aussi, je crois, avec Loli. C'est super, donc un deuxième. Ensuite, je trouve un mascara, donc c'est le Lash Plumper. Comme ceci. Donc c'est en noir. Donc je vais l'ouvrir quand même pour vous montrer la brosse. Donc elle se présente comme ceci. Donc c'est super. Donc à tester, je ne connais pas. Ensuite, j'y retrouve un rouge à lèvres. Donc c'est le Sweet Ear Glossy. Donc c'est un rouge à lèvres shine. Donc cette couleur-là. Donc je vais l'ouvrir. Je crois que je l'ai, mais pas sûr. Donc à vérifier. Parce que j'ai eu. On a eu du retard avec Letty. Pour se l'envoyer. Donc du coup. Hop. Okay, celui-là. Je crois que c'est pas celui-là que j'ai. Hop. Il est comme ça. Voilà. Ensuite, j'y trouve des masques Montagne Jeunesse. Donc, il y a celui avec de la mer et un à la rose. Ouais, c'est ça. Masque à la boue. Donc, super, merci. Ensuite, je trouve un échantillon Nocibé. Donc, l'Estas Caresse de rose de Nina Ricci. Donc super, je le connais pas, donc ça me permet de tester. Ensuite, je trouve le savon Starwort, donc qu'elle avait parlé dans un live. Donc c'est le savon au fiel de bœuf. Donc elle nettoie ses pinceaux avec et elle nettoie aussi les chemises de son mari. Donc voilà mon ami hein, pour que je teste aussi. Donc merci. Ensuite, j'y découvre la palette, la Warm Light de Elsa Makeup. Donc, je vais vous l'ouvrir. Vous la connaissez tous, moi elle était dans ma wishlist. Donc, elle est comme ceci. Donc, vous avez un grand miroir. Et la palette qui est comme ceci. C'est super, je ne connaissais pas, donc ça va me permettre de tester. Merci Letty. Ensuite, du coup, elle avait reçu une enveloppe, donc du coup, là, il y a son adresse, donc on l'avait cachée. Donc je vais voir, je crois que c'est de chez Delicious. Je dois avoir l'enveloppe. Hein. Voilà.
Beauty m'a laissé à facture, mais c'est pas grave. C'est emballé comme ceci. Donc c'est la palette Zoom Bombers palette Gelusius Cosmétique. C'est la rose. Donc, je vais vous l'ouvrir. Donc elle se présente comme ceci. Donc vous avez un miroir. Et vous avez tous les fards avec un pinceau ici, avec le pinceau, avec un pan comme ceci et le trombeau comme ceci. Donc elle est super jolie. Donc merci Letty, elle est trop belle. Ensuite, la dernière chose que je découvre, donc c'est de Cultura. C'est le livre de Elsa Makeup, Mes Secrets, qui était dans ma wishlist aussi. Donc, du coup, c'est super, je vais pouvoir le lire. Donc, voilà, merci Letty. Donc, Letty, je te remercie d'avoir fait cette box swap avec moi. Donc, j'espère que la tienne va te plaire. Donc, du coup, si tu veux en refaire une, il n'y a pas de souci. Donc, celle-là, on avait pris un peu de retard, mais c'est pas grave. Donc, je te remercie Letty encore et je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos si vous voulez aller voir ce que moi, je lui ai envoyé. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!